Just like the theory of everything, which is regarded as the holy grail of theories and consists of the reconciliation of infinitely large and small, the collegial musical creation by various musicians in different constellations is an exciting and complex principle. Shijin offers 8 interactive pieces, which are first developed as duets, then completed by the other 2 musicians, and finally put together into a complete format that is rarely used in jazz production, the concept album, which combines electrical and acoustic music, as well as improvisation and composition. Within this particular conceptual framework, even contemporary music and traditional jazz can be reconciled. Alors, le principe de production que j'ai choisi, en fait, c'est un vieux fantasme que j'ai de réussir à produire de la musique jazz comme on le fait dans le rock ou dans d'autres musiques, c'est-à-dire vraiment penser un travail sur différents sons de batterie, utiliser plusieurs batteries, travailler sur différents sons de pièces, etc. et de tout réunir dans un album que j'espère sera assez original. Bah, la production de cette manière, c'est un luxe que malheureusement on se permet plus assez parce qu'on est pris par le temps, par l'argent et par plein de contingences. Et c'est le pied d'être en studio en mode labo et de fabriquer les choses en expérimentant, en ayant des idées sur le moment. Enfin, j'adore ça. Sur chaque morceau par petits morceaux, vraiment en construisant un peu comme un film. Pour ma part, par exemple, j'avais 2 batteries différentes. C'est la première fois que je fais ça dans ma vie. Donc ça permettait de faire des choix aussi sonores en fonction des parties des morceaux. Donc à l'intérieur même d'un morceau, j'utilisais 2 batteries différentes. On se trouve toujours aux confins d'essayer d'aller un maximum vers des parties de live comme si on les jouait sur scène et en les entrecoupant de moments où on va vraiment réfléchir plus à la production dans un sens un peu orchestral, savoir ce qui était formel au départ peut être de nouveau un petit peu bouleversé par le jouage en collectivité. After the release of their debut album in 2018 and after several tours in Europe as well as in the USA and India, Shijin will present their second album, which will be released at the end of February 2021. For this new production, bassist Laurent David built this record from the various basic elements of all instrumentalists in the quartet. All interactions, harmonies, rhythms, and melodies generated arise from the energy of the void. The rhythmic vocation of the duo Malcolm Braff on piano and drummer Stéphane Gallon is just as well established as the speed, lyricism, and openness of the saxophonist Stéphane Guillaume. The Shijin musicians first came together in various duo constellations in order to develop different musical forms, themes, and structures. In doing so, they left enough space for the other band musicians so that the others could then compose and add their respective instrumental lines in later composition process according to their own ideas and wishes. Quelle est la manière de composer de Malcolm? Je réponds, je ne sais pas. C'est un mystère. Ce que j'ai remarqué avec la façon de composer de Malcolm Braff, c'est qu'on arrive à des résultats assez rapidement quand on travaille autour de l'improvisation, en pensant bien le principe et le concept en avançant. Malcolm, il a toujours besoin d'un concept global qui soit assez intellectualisé au départ. Avant de mettre les mains sur le clavier ou d'imaginer une structure harmonique. Stéphane Guillaume, là encore, je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas comment il compose.
Par contre, ce que je peux dire de la balle qui renvoie quand on lui en lance une, enfin, c'est pas une balle, c'en est 18. Ça fuse, c'est juste, il prend un machin et il explose. Il prend une petite graine comme ça, puis ça devient un bouquet de fleurs à la fin. Le travail avec Stéphane Guillaume pour la composition, c'est un travail beaucoup sur le papier, sur la recherche, sur les accords, l'analyse, l'écriture en fait des mélodies. Il a une démarche très complète, c'est-à-dire que si on le laisse faire, il va amener un morceau qui est cousu de A à Z. Donc pour lui, je crois que ce processus, pour lui, c'était plutôt de se retenir et de laisser un peu des zones floues pour que les autres puissent intégrer quelque chose, de laisser justement incomplet un travail qu'il a l'habitude de faire complet, je pense. David, je crois qu'il est aussi beaucoup en mode expérimental, essayer des trucs, et on verra à l'arrivée, tempéré par le besoin que ça ait lieu. L'album précédent, on avait fait tous les morceaux basse-batterie avant, ensemble. Pour moi, c'est une manière qui est beaucoup plus habituelle et que je connais beaucoup mieux. Donc il va plutôt donner des éléments basiques sur lesquels il y a beaucoup, beaucoup de possibilités d'exploiter les idées. C'est lui qui va emporter la bande dans ses valises et puis qui va finalement avoir un regard décisif sur la forme qui va être proposée, même si cette forme, elle est, comme on le voit dans nos journées de studio, elle est amenée à être bouleversée. Quand on rentre en studio avec Laurent, bah, on commence par jouer, on commence par improviser, et même si sa démarche musicale, finalement, je la trouve beaucoup plus intellectuelle que la mienne. En tout cas, la première chose qu'on fait, c'est de se retrouver à jouer d'une manière complètement organique. Et j'ai pas de mal à me retrouver dans son univers. Avec Stéphane Galland, c'est un travail cérébral sur le rythme et sur la façon de calculer le temps qui passe. Mais il y a quand même quelque chose de très organique, très terre à terre, qui est vraiment intéressant. Stéphane Galland et moi, on a dû travailler à distance parce qu'on n'a pas pu se voir. Alors peut-être que lui comme moi, on a peut-être une démarche peut-être un peu plus solitaire. Il a besoin aussi de se retrouver tout seul devant sa métrique, à imaginer tout ce qu'il peut faire de manière à déboucher sur quelque chose qui soit peut-être déjà un petit peu modelé et de se réunir sur des concepts que chacun on a peut-être un peu plus, peut-être un peu plus solide au premier abord. En fait, je ne sais pas du tout. J'aborde les propositions de Stéphane en tant que tel, en tant qu'objet, en tant que matière. Mais comment ça se passe dans sa tête? Vraiment, je ne saurais pas dire. Then it was up to Laurent David to put all these many creative fragments together to complete the compositions with rounded arrangements. Laurent David developed a production method similar to film production processes and then brought the entire group together to organically record the finished compositions together in the studio. The result is a skillful staging that includes, for example, two drum sets with contrasting sounds, flutes that are processed by a modular synthesizer, a naturally reverberant piano, or even sharp electric bass tracks.
The performances by Shijin can thus be experienced as a practical application of the theory of everything in music. Mm-hmm.